Je fais super bien la voix, c'est un de mes grands talents. Bon, bah, le problème, c'est que bah, je vois rien. Quelle idée, quand même. Je te jure, faut pas éteindre. Bon, alors, on va allumer le chat. Johnny, tu nous écoutes. Allumer le chat. Voilà, le chat est allumé. Comme toujours, le générique est lancé. Le rafraîchissement est rafraîchissant. Et surtout en ligne. Voilà, hop, le live. Nanana, dites quelque chose. Ici, donc là on a bien, voilà, c'est bien, ça nous laisse un peu le temps, comme ça, aux gens d'arriver, là, tout bien, tranquille, Émile. Ah, dis donc, quelle émotion, quelle aventure, quelle aventure. Attends, je vais mettre ça là, attends, 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 je vais faire autre chose. Parce que bon, elles sont bien mes nouvelles lunettes, on est d'accord, mais j'y vois rien. Je n'y vois rien. Ah bah ouais, mais non, ça va pas marcher la fenêtre. Ah ouais, je suis con. Donc on va le remettre ici. Bon, c'est pas mal déjà. Bon, voilà. Bon, bah, on va dire déjà bonjour aux gens qui sont là, bien sûr. À l'heure, de bonne humeur. Bonsoir à Jaune d'œuf. Le son est OK. Le son et vidéo, OK. Merci Thibaut. Notre ingénieur audio-son qui est là pour vérifier un petit peu que tout se passe dans la bonne humeur. Bonsoir à Guillaume, bonsoir à Yves, bonsoir à Virus, bien évidemment, mais là on est un peu en avance, tu vois. On n'est pas dans l'intro du bonsoir encore, on est encore un peu dans les spectatives, tu vois, de ce que ça va fonctionner, de quoi il va nous parler, mais quelles sont donc ses nouvelles jolies lunettes? Quelles sont donc les news du soir? Va-t-il répondre à ma question ce soir ou va-t-il sciemment l'oublier ou la zapper? C'est ce que vous saurez, bien évidemment, incessamment, samment. Tac, 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 na, na, na. Non, ça fait bip, 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 bien. Et voilà! Et voilà! L'heure pour moi, 20h59, de vous souhaiter un Toussaint. Bonsoir à tous! Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette heure quotidienne du 15 novembre 2018. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se retrouve comme tous les mardis et tous les jeudis en live. 15 minutes de news tech live et surtout 15 minutes. Mais oui, mais j'y vois rien, pas de ma faute. Et 15 minutes et 15 minutes où je répondrai à vos questions, bien évidemment, en live, en direct et tout, avec tout ce qui vous font plaisir. Voilà. Donc, allez, comme toujours, vous trouvez cette émission en live, en replay, en différé. Plamade, pas mal de supports, de formules, un trafic qui est croissant, du titre qui est un peu putaclic. C'était marqué dans le générique. Mais ce soir, on est dans le putaclic, mais qui a dû vous intriguer parce que oui. Vous l'avez vu, aujourd'hui, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Un, déjà parce que les autres, à 7 euros, là, elles étaient un petit peu rayées sur le devant, alors que je suis juste de les poser là, tu vois. Le fait de faire du live, ça rit les lunettes. Elles n'étaient pas polarisées, c'était bon, c'était des lunettes pas chères. Mais là, il fallait absolument, je commande, et je les ai commandées, je les ai reçues, ça fera partie de mon premier sujet du jour. On commencera, comme tous les jours, par remercier nos tipeurs qui, grâce à. Ben, c'est grâce à eux que l'aventure tourne, simplement. Et tous nos utipeurs qui ont quand même fait un petit peu exploser la balance. On est aujourd'hui, alors c'est vrai que ça a commencé le 24, on est quand même à 152 euros. Ça veut dire que, en fait, on vous oblige pas à regarder de la pub et on demande pas d'argent aux fabricants, mais on reste intransigeant. Mais ceux qui veulent le faire, vous pouvez aller sur Utip, regarder une petite vidéo pendant ce live ou juste après ce live pour dire merci, mettre un petit like et bien évidemment, regarder une petite pub, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Nanana, alors, qu'est-ce que j'ai à vous parler? Alors, les lunettes. Allez, on commence chaud par les lunettes. Alors, là, les lunettes que j'ai achetées, si jamais il y a des gens que ça intéresse, ça s'appelle les King Seven. Alors, les King Seven, attention, elles sont en aluminium. Alors, ça est de l'aluminium de merde, hein. En fait, c'est de l'aluminium, mais bon, c'est la limite du plastique, quoi. Tu vois, on m'aurait dit c'est du plastique, j'aurais dit c'est du beau plastique. On m'aurait dit c'est de l'aluminium, je dis c'est quand même de l'aluminium de merdouille. Moi, j'ai pris le modèle bleu. Attends, mais tu vois pas là, regarde. T'as le modèle soit bleu comme ça, donc le modèle bleu mien, trop bien. Soit le modèle vert conduite de nuit avec les verres jaunes. J'ai failli les prendre, mais j'en ai acheté des bonnes paires la dernière fois. Là, quand même payé 25 euros. Non, c'était à moitié prix, 500. 500 bahts, non. Ouais, 1000 bahts. Ouais, j'ai dû payer 500 bahts. J'ai bien négocié. Avec des vrais verres polarisés et tout. Alors, tu les as soit en noir, noir, soit en noir gris. Elles pètent comme ça, celle-là.
Enfin, je les ai commandés sur AliExpress, 10,90€. Je me suis dit, de toute façon, on perd pas. Au pire, on perd 10,90€. Mais elles sont pas mal, hein, tu vois. Ils mettent bien que. Elles sont bien. Alors, nom de la marque, nanana. Elles sont bien en aluminium. Elles sont bien Polaroid. Enfin, polarisées, bien évidemment. Lunettes de soleil adultes. Elles sont bien en graphène et tout. Donc, il existe plein de modèles chez eux. Moi, c'est ce modèle-là que j'ai pris. Alors, c'est vrai que j'ai été quand même étonnamment surpris. Il est où le truc ? J'ai reçu quand même une petite pochette, une petite boîte, une petite pochette qui fait toujours plaisir. Dans la petite pochette, le petit capteur, un petit porte-clés de merde. On s'en fout, mais bon, après, c'est cadeau. J'adore les cadeaux. Et il y a un truc là, voilà, un truc comme ça là. Je sais pas si tu vas voir, toi. Tu vois, là, tu vois rien. Et voilà, tu vois, toi. Ouais, ouais, t'es derrière la caméra. Parce que moi, du coup, je vois. Et si je mets, ouais, si tu mets derrière la caméra, normalement, tu vois pas. Et hop, tac, comme ça, hop, tac, voilà, avec les lunettes, tu vois marqué le 7-Eleven, le King 7, le roi du 7, le double 7, le triple 7 est signe de chance en Chine, hein, donc il y a deux. Voilà, donc je les ai reçus aujourd'hui, je suis plutôt content parce que la qualité est plutôt bonne. S'il y en a qui me demandent, j'ai mis le lien dans la description, s'ils veulent s'acheter exactement les mêmes pour crâner comme moi, par exemple, et ben vous pouvez, donc voilà, alors là, en mode de nuit, en bleu, elles sont super stylées, elles sont vraiment, et elles sont, tu vois, tu peux les mettre sur la casquette, contrairement aux autres, que j'en ai déjà niqué 2-3 paires, parce que c'est pas fait pour, et à force de les mettre là, ça casse, voilà, normalement, tu mets la casquette comme ça, là, casquette à l'envers, toi, comme ça, et, bon, tu mets à l'endroit, tu sais, tu fais... Regardez un peu de dignité. Mais voilà. Donc du coup elles sont plutôt bien. Bon par contre elles sont polarisées. Et mon écran LG ne... Non. On voit juste noir. Un petit peu comme ça. Celui-là il est bien. Voilà mon AOC là HKC AOC origine de... C'était l'autre. C'était pas la même. Voilà. Donc voilà pour les lunettes que je me suis acheté. Voilà. Comme ça tu me demandes. Vous saurez que le lien est dans la description. Si jamais l'envie vous en venait de vous acheter exactement les mêmes. Je regarde s'il y a des commentaires, belles lunettes. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Je regarde des fois que. Parce que là, comme je mets les deux sur la même fenêtre, voilà. Allez, on parle un peu des trois news du jour qui ont été un petit peu intéressantes. Realme qui nous propose. Alors, on commence à avoir des leaks du nouveau Realme 3 Pro. Alors, by Oppo, bien évidemment. Un téléphone qui a pas l'air dégueu, en fait. Hein. Mais bon, Realme, on sait pas. On sait pas trop. Bon, moi, j'en ai reçu un, le Realme 1, le Realme 2, on n'a pas eu de nouvelles. Je pense que la meuf, elle s'est fait virer parce qu'elle a quand même fait un peu n'importe quoi. Unbox Therapy, on a eu un. Donc, je veux dire, le mec, 10 millions d'abonnés, quand lui reçoit un téléphone, c'est que... Il se passe un truc. En fait, il se passe rien. Il se passe rien. Rien du tout. Plus de communication, pas de vente. Le Realme 3 pourrait arriver en Inde et tout. Mais c'est assez bizarre comme concept. C'est très... Très chinois, Gorilla Glass. Le téléphone a l'air pas mal. Après, bon, il a l'air pas mal comme un Oppo pas cher, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. C'est Oppo, oui. Après, du coup, OnePlus, oui. Après, arriver avec une marque comme ça, faire le même mais moins cher et tout, c'est quand même un petit peu risqué. Dangereux. Snapdragon 610, donc là, on se dit, bon, il va pas être ultra cher non plus, mais c'est quand même pas mal. Le 710, il tourne déjà bien, hein. Je veux dire, avec ça, 660, 710, c'est le nouveau. Micro SD jusqu'à 256Go, ça va être un bon appareil. Après, on sait pas encore trop à combien, machin, mais plein écran comme ça avec la petite goutte d'eau, 6 ou 8Go, 128, 256 et tout. Franchement, je suis pu têter. Voilà, bon, 23 mégapixels, bon, après, on continue comme ça, voilà. On brûle un peu de temps, on a 15 minutes... Je parlerai de sauvegard après, de GPS, non c'était pas ça, c'était quoi au sauvegard, le Honor 8X ils en ont pas mais qui veulent me changer la couleur. Je vous ai pas parlé de ça, bon, c'est fini là de toute façon, on a bientôt fini là le truc. Je vais vous parler d'un peu de sauvegard, on a commencé à regarder l'épisode 2 hier, on a arrêté, c'est chiant. Non c'est chiant, non mais c'est chiant avec elle là, elle est belle hein, y a pas à dire, elle est bien gaulée, elle a une bonne tête de méchante, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que Kevin Spacey, donc du coup, bon, saison 6, et vas-y, et c'est pareil, les manigances, les complots, les machins, et c'est toujours pareil, saison 4, saison 5, saison 6 et tout, donc nous, en plus, bon, anglais, sous-titre anglais, ils parlent super vite et tout, dans un vocabulaire qui est assez soutenu, et ben ça nous a gonflé, on a arrêté House of Cards hier, voilà, c'était pour la petite anecdote. Pour meubler cette petite vidéo qui n'avait aucun intérêt. Allez, une petite news bien, c'est les Google Glass 2 qui ont passé apparemment le FCC, donc qui pourraient arriver prochainement en 2019.
il vous reste qu'un mois et demi à tenir, hein, donc ça va. Bon, les Google Glass ont quand même été un des plus gros bits de chez Google, où tout le monde y croyait et que bah ça a pas eu... C'est peut-être trop tôt, la technologie était peut-être pas prête, les smartphones, la 4G, machin, voire la 5G, la partie communicant. Voilà, là, il y a un nouveau truc, un nouveau brevet qui vient de tomber à la FCC, machin. Donc, il pourrait y avoir une commercialisation bah, l'année prochaine. On sait pas grand chose hein, sur ce modèle là, mais voilà, jusqu'à ce qu'ils te l'implantent dans la rétine, ils vont être obligés de passer par des étapes de des lunettes, après en verre de contact, après directement dans l'œil, et après voilà. T'as déjà vu le film, donc je vais pas t'expliquer comment ça va se passer, mais il va falloir y aller crescendo. Voilà. Et la troisième news du jour, c'est le concept du Samsung S8 Footable. C'est bien footable de ta gueule. Galaxy F foldable. Voilà. Bon, bah, tous les fabricants arrivent. Hein. Il y a Huawei aussi. J'ai vu, il y a une news avec le foldable qui va arriver, machin et tout. Voilà. Donc là, on commence à arriver du concept. Tout. Moi, je pute pas mal, en fait. Tu vois, parce que toi, je me dis... Bon, prenons, par exemple, ma tablette Mi Pad 4+. Qui est jolie, d'accord. Là, c'est quand j'ai regardé Envoyé Spécial, hier. Hop là, regarde. Là, comme ça. Si tu pouvais l'avoir comme ça, nanana, et la plier en deux, clic, voilà. Bon, là, je le ferai pas parce que je suis pas Samsung, moi. Puis la batterie va me péter dans la gueule. Mais le plier en deux, on aurait deux téléphones, tu vois. Ça peut être pas mal, en fait, hein, d'avoir une petite tablette qui se déplie et tout. Moi, je pourrais kiffer. D'ailleurs, la review de ça arrivera la semaine prochaine. On en parlera juste après, bien évidemment. Bon, on commence à voir arriver des concepts, des images qui fuitent et tout, voilà, hein, avec un écran de 7,3 pouces. Ce qui est pas fou, hein, 7,3 pouces, encore une fois. Mais si ça se plie, c'est pas mal. Avec un OLED flexible, machin et tout. Il faut voir. Mais encore une fois, là, on va avoir de plus en plus de trucs qui vont arriver pour teaser, parce que tous les fabricants vont, à mon avis, teaser un peu dans le même sens, en disant, ah, nous aussi, on en a un, nous aussi. Et du coup, j'aurais pas dû mettre la fenêtre ici. Donc, je la remets là. Voilà. Je vais regarder s'il y en a qui utipent pendant que je parle. Est-ce qu'il y en a qui utipent pendant que je parle? 52,77. 52,92. Tu vois qu'on en... On a bien eu 3 là. Qu'on 7, 20. Ouais, 15, 3. 3 qu'on utipé. Putain, je vois rien. Putain, elles sont belles ces lunettes, mais je vois que dalle. Oh putain, opération cornet de bif là. Voilà. Donc du coup, bon, on va avoir de plus en plus de téléphones pliables et tout, ça va arriver. Moi, je pourrais kiffer parce que tu vois, bon, je viens de me racheter un backpack sur AliExpress, donc quand je recevrai, je vous le ferai. Mais pour que je puisse mettre la tablette dedans, machin, parce que bon, là, 10 pouces, ça rentre dans rien. Hein. 7 pouces, c'est pas mal. Mais là, 10,1, c'est un peu plus le modèle au-dessus, quoi. Donc il faudrait peut-être que je regarde... C'est con que j'ai vendu la Mi Pad. Ah, en parlant des trucs là, les gens qu'attendaient pour recevoir les produits qui étaient bloqués en Chine, enfin qui étaient bloqués à Hong Kong, qui sont arrivés en Chine, apparemment, il y a certains membres qui ont reçu aujourd'hui. Donc si vous avez commandé des trucs, que je vous ai envoyé les tracking, n'hésitez pas à aller soit sur le site de la poste, soit aller sur 17track.net, voir un petit peu votre colis où il en est. Genre si le facteur il vous a pas trouvé, qu'il a pas mis de bon de passage, que le truc on porte pas en Chine, on l'aura pas. Et notamment Lufty, surveille bien. Il faut absolument que je regarde les tracking de Lufty parce que lui, c'est le genre, il va pas aller à la poste et après, le truc, ils sont perdus. Hein. Ça reviendra jamais en Chine, donc ça va être compliqué. Donc, les premiers produits sont arrivés, donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. De quoi je voulais vous parler? Alors, Honor 8X, alors ils m'ont appelé aujourd'hui parce qu'ils devaient me livrer entre le 12 et le 19. Donc forcément, le 13, le 14, tu t'affoles un peu, tu leur dis, dis donc, il est où mon colis? Et là, il m'appelle aujourd'hui, il me dit bonjour, concernant le 8X Max, on a plus de bleu. Ah, je dis, bon, bah tant pis, un noir. Il fait, non, on a que du blanc. J'ai dit, ah non, pas un blanc, c'est moche. Franchement, un Honor 8X Max en blanc, non, franchement, c'est dégueulasse, j'en veux pas. J'ai dit, non, c'est noir ou bleu. Bon, bah, il faudra attendre 3 jours. J'ai dit, bah, de toute façon, ça va, 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine, je suis quand même bien chargé au niveau des reviews. C'est pas urgent, voilà. Donc, du coup, on l'attend, on devrait l'avoir la semaine prochaine. Dans les reviews, alors sur GLG Vidéo, vous aurez bien évidemment une vidéo par jour, 7 jours sur 7, on a un peu l'habitude demain. Qu'est-ce que j'ai demain? Ah, la souris ultra fine, machin, là, tu vois. 7 euros, je crois, sur Gearbest. Je l'ai envoyé, je vous la compare avec, bah, du coup, celle qu'elle copie, hein, la Apple, machin et tout. Donc, demain, ça, et après, on verra, de toute façon, vous aurez de toute façon, des vidéos tous les jours, ça, on est sûr. En review, bien, samedi, vous aurez le Humidigi A3. Il est dans la boîte, rumbugué, machin...
Ah, me dit, je vais m'envoyer un truc bugué. Je dis, il est bugué, moi, pas vous faire, ouais, mais alors, il faut réinstaller. Non, il est bugué, quoi. Après, voilà, on l'a sauvé, il fallait le réinitialiser, on est réinitialisé. Mais il est arrivé bugué quand même, quoi, avec la mise à jour. Lundi, vous aurez donc le V-Mobile. Putain, alors là, V-Mobile. Putain, je peux dire, vous allez encore me jeter des cailloux. Hein. V-Mobile avec, il s'appelle le XS. XS Pro. Oh là 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 là. Mais vous allez me jeter des cailloux, hein, c'est pas possible, à force. Bon, c'est une review sponsorisée, donc je vous le dirai bien au début, mais les mecs, ils ont honte de rien. Hein. Android 7 en 2018. Bah non! C'est interdit ça, plus loin ça. Et que 3G! Mais non! Putain, mais. Bon, après, il fait 100 boules, mais tu vois ce que je veux dire? À 100 boules, tu peux avoir des trucs au moins 4G, pas les empreintes digitales, pas. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui font que. Putain, il me paye, je vais être obligé de le démonter, le truc dans la vidéo, parce que. On peut pas décemment. Mais bon, je les ai bien. La dernière fois, ils sont revenus quand même, parce qu'ils n'ont pas trop de choix. Voilà. Lundi, donc lundi, vous aurez ça. Mardi, vous aurez la lampe torche, machin, parce que pareil, review sponsorisé, ils veulent absolument que ça sorte le 20. Voilà. Et après, voilà, dans mon planning, je suis bien, j'ai pas trop de retard, j'ai que le Lenovo K5 Plein, mais je sais pas à qui me l'a envoyé, donc du coup, voilà, il n'y a pas d'urgence. Donc du coup, je pourrais vous faire la tablette Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Pourquoi c'est un flop? Pourquoi c'est un flop? Alors que franchement, elle est putain de bien quand même. Enfin, elle est bien. Après, putain de bien, bien. Après, putain, je sais pas, mais bien, tu vois. Putain de sa mère. Là, peut-être qu'elle est bien. Mais après, on ne sait pas. Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc, du coup, voilà un peu les reviews que ça va se passer. Après, j'ai rien de. Bon, en petit produit, j'en ai un milliard. Hein. De toute façon, là, vous inquiétez pas. En truc de gratuit. Ah, bah, si c'est gratuit, je pense que tout le monde veut me l'envoyer. Mais on a quand même des mecs qui sont un peu exigeants, quand même. Hein. C'est gratuit, mais. Tu sais ce que je veux dire? C'est oui, mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est en gratuit, parce que bon. Faut. Là, je passe, c'est Tom Top. Ils ont changé toutes les équipes chez Tom Top. Alors, Tom Top, oui. Ah, mais non, est-ce que je me suis trompé? Non, non, bah donc, Kougeek et Dodo Cool, ça appartient au même groupe. Mais pareil, ils ont viré tout le monde, ils ont changé toutes les équipes, là. J'ai que des nouvelles meufs qui arrivent. Oui, on veut une collaboration à long terme. Non, 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 c'est temps pour tout le monde. Vous avez l'habitude, vous avez mon rib, c'est bon, quoi. Donc, du coup, ils ont changé toutes les petites cerises, là. Toutes des petites cerises presque mûres, tu vois. Avec la petite tige verte et tout. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas dans ce dossier-là. Mais voilà, ils m'ont changé toutes les cerises et c'était pour vous tenir au courant. Mais c'est un peu le bordel chez TomTom. Donc ils ont fait un article sponsorisé là tout à l'heure avec leur jeu d'arcade et tout. Mais alors ce qu'on m'a dit apparemment sur le jeu d'arcade, et vous me confirmerez peut-être ça pendant le chat, c'est que apparemment, bon, il y a peut-être 376 jeux, mais apparemment il y en a beaucoup beaucoup qui sont en chinois, donc ça casse un peu le mythe du truc. Mais tu vois par exemple, elle me dit oui, produit celui-là ou celui-là. Je dis bah, écoutez ce qu'on fait, madame. Moi, madame, dans l'article, je vous mets les deux produits et vous me les envoyez pour review. Ça me permettra de moi de jouer un peu machin comme ça. Ah, oh bah oui, mais alors, on n'a que trois produits sample pour envoyer aux youtubeurs. C'est trop tard, on a pu. Mais en fait, si ça marche bien, on verra après pour vous mettre sur la liste. J'ai la liste de quoi? Pour m'envoyer des produits de merde? Ces petits deux trucs de merde à 15 euros là. J'ai dit ça va, c'est parce que voilà, ça me faisait plaisir de les avoir. Après, je vais pas quémander en disant ah oh oui, on va vendre un maximum comme ça, je pourrais avoir des trucs de 15 euros de merde pour me faire des reviews gratos de merde avec des produits de merde en chinois que tout le monde s'en fout, que je pourrais même pas les revendre. Non mais oh putain, mais arrêtez, merde, je veux dire, ça va. C'est comment ça coûte une Mercedes en Thaïlande, toi? 30% de taxes quand même, hein, donc c'est un peu cher, pas gagné, hein. Je me suis pas acheté une Mercedes, hein. Mais genre, on regarde combien ça vaut quand même. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Hein. On regarde les belles bagnoles, on regarde l'automoto, Caradisiaque là. Et on regarde ce que ça vaut. Après, on regarde tout le monde, on dit, ah, quand même, près de la maison quand même, pour une bagnole. Putain, ma copine, elle adore les Range Rover. Le Range Rover, il fait 4 millions de bahts. Ça fait 100 000 euros, quoi. Le Range Rover Evo. Ça va, ouais. Putain, la vache. En plus, un Range Rover. Je veux dire, la Mercedes, elle a 2 millions, le G machin, là, le CLA, GLA, celui qui est bien. Enfin bon, on regarde les étiquettes comme tout le monde, hein. On a le droit. Hein. Avec tous les types qui sont en train de tomber, je veux dire, on commence à regarder les Mercedes. Hein. Non, bon, trêve de blaguerie. Il est 16, je suis bien. J'ai bien meublé. Allez, on passe maintenant au chat. Ah bon, il y a un chat. Bah oui, je veux dire, pas de raison. Et ses cheveux, il y a du chat. Bah allez, bonsoir. Alors, bonsoir à. Alors, Thibault nous a dit, bonsoir à Guillaume, à Yves, à Virus, Nomax, on était là. Bonsoir à Dabozman, à Zach le messager. Bonsoir à Alan. Bonsoir à Rachid, à Skyfret.
à Jean-Michel d'Orléans. D'accord. Bonsoir à Guillaume. Merci. Ah bah les lunettes, je veux dire, hey, 11 euros, hein, free shipping. Sur un... Il y a le lien en bas, hein, vous pouvez y aller, cliquer, acheter. On verra combien vous êtes acheté les mêmes lunettes que moi. Si vous êtes vraiment à fond dans le dossier ou pas. Mais comme ça, à chaque fois, tu me demandes, tu as acheté où tes lunettes, tu veux me les vendre et tout. J'ai rien à te vendre, moi. Je te mets un lien en bas et chaque fois, je toucherai 5% de tes 11 euros. Alors, t'imagines bien que... Hein, il va falloir en acheter, hein. 10, une de chaque couleur. Bonsoir à David, bonsoir à Olivier, bonsoir à Martin. N'ont-ils fait pas assez beau à Bordeaux pour faire le... Nous, il fait pas assez beau à Bordeaux pour faire le rigolo. Le Beaujolais, le Beaujolais, c'est le Beaujolais bientôt, c'est pas le rigolo. Ça n'a rien à voir. Je sais, mais il fallait que je trouve un truc. Salut les accros du Utip. Merci à Mika Mika, un de nos acharnés Utip. Alors, pour tous ceux qui Utip avec Chrome, par exemple. Vous Utipez avec Chrome. Bon, là, vous avez regardé vos trois pubs. Et j'ai regardé les pubs, là, pour voir un peu ce qu'il y avait. Il y avait du... énergie, du... Alors, deux fois You, là, sur machin, c'était bidon. Alors, apparemment, vous copiez le lien et vous ouvrez dans une navigation privée. En haut à droite de votre navigateur, dans les petites barres là-bas, vous cliquez et vous mettez ouvrir dans une navigation privée. Et là, vous copiez le lien utip.com, Greg Utip. Et là, vous pouvez regarder encore 3 vidéos. Ça veut dire que tranquille, sans frauder, vous pouvez regarder 6 vidéos par jour. Moi, je dis ça, je dirais. Hein. C'est pas pour vous inciter à regarder 6 vidéos, mais vu déjà comment vous êtes en train de faire péter les compteurs, je me dis, s'il y en a qui savaient pas l'astuce, qu'en regardaient que 3 par jour, ils disent, une minute et demie de ton temps ou 3 minutes, je veux dire, t'es plus à une minute et demie près, quoi. Mais tu peux en regarder en mettant navigation privée sur, sur Chrome. Et ben, je suis même pas sûr qu'en ouvrant Firefox, tu puisses pas. Parce que moi, j'utilise Firefox et Chrome, que tu puisses pas en regarder. Mais en mettant navigation privée, comme il connaît pas ton cookies, ni ton brownies, ni ton choco, ni ton BN, ni ton Oreo, tu peux regarder encore 3 pubs. Ça veut dire que vous pouvez faire un petit quota de 6 pubs par jour. Voilà. C'est un membre qui me l'a dit. Hein. J'ai rien inventé, moi. Il m'a dit, moi, je m'en tape 6. Encore, il y en a des mecs qui, je sais pas comment ils font. Alors, il suffit que tu aies un petit VPN et tout derrière. Je sais pas, il y en a, ils font au moins 10 ou 12 par jour. Félicitations. Merci. Namasté. C'est grâce à vous que cette émission me fait délirer, vraiment. Alors, bonsoir à PLX. 17. Bonsoir à Denis. Bonsoir à Néo. Petite solution pour faire sécher un tel qui a pris l'eau. Le mettre dans un sachet avec du riz et attendre 24 heures dans la nuit. Le riz va attirer un chinois qui va réparer ton téléphone. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Un petit peu raciste. Je sais que depuis de l'an 2000, on n'a plus le droit de faire de blagues un peu. Mais les Chinois, ça va. Les Chinois, les Anglais... Les Belges, faut se méfier, hein. Mais ça va, c'est une très, très, très bonne. C'est qu'il demande d'avoir une tablette pliable. Après, il faut voir l'épaisseur. Il faut voir, après, c'est toujours pareil. C'est que moi, toi, je suis en train de faire j'ai une sacoche qui est assez conséquente. Mais bon, la tablette rentre pas parce que c'était 9,7 maximum et 10,1, bah, elle rentre, mais elle ferme pas. Donc, je vous ferai sûrement une vidéo sur le... sur cette jolie sacoche que j'ai achetée qui, du coup, bon, ben bah, voilà. Et le fait d'avoir une pliable, tu sais, d'avoir, on peut, ça, je pense plutôt en longueur, donc d'avoir un pliable, machin, ça peut être intéressant, plutôt qu'un gros truc volumineux de 10 pouces, tu vois. Faut voir. Non, moi, je peux te kiffer. Je peux pas te kiffer toi, hein. Je peux kiffer le client tablette, plien. Alors, merde, ça, j'ai No, c'est beau pour Bordeaux. Ok, nan, nan. C'est kiffant d'avoir, nan, nan. Bonsoir en retard, bonsoir à Judas. J'étais un peu trop à fond dans ACDC. Bon, ça va. Si c'est, il y a des slows hein, chez ACDC, il y a de la musique douce. Hein. T'es pas obligé hein, de faire chier tout le monde. Hein. Bon, Martin, est-ce que tu penses que les marques Vernier ou Zuc ont encore l'écho, sont encore vivres? Alors, l'écho, c'est sûr que c'est mort. Hein. Le mec, il est surendetté, à mort et tout, blacklisté par l'État chinois. Je pense que vraiment, l'écho, c'est sec. Zuc, il survivre grâce à l'odeur de ton Zuc. Zuc, ils survivent un peu en mode on sait pas trop ce qu'on fait. Hein. Lenovo les a un peu lâchés, mais ils sont revenus un peu. Et les phones font plus trop de marketing, mais ils ont une petite structure en place. Ils peuvent nous sortir un truc de temps en temps, pas trop. Et Vernis, ils étaient quand même bien en banqueroute dernièrement. Et c'est vrai qu'on les voit plus depuis un petit moment, même si on a vu une vidéo de Vernis là qui est tombée. Il y a forte chance que eux, par contre, ouais. En fait, le problème de Vernis, c'est qu'ils avaient vraiment décidé, en fait, dès le début, parce que vu que j'étais tout seul au lancement de la marque et que aucun des mecs qu'ils avaient invités n'avait voulu venir, j'ai eu tout le budget, donc j'ai eu une chambre d'hôtel nickel.
C'était pas mal. Et je venais de Thaïlande, donc j'étais celui qui coûtait le moins cher presque. Et j'avais déjà mon visa, donc c'était bien. Ils avaient vraiment décidé de faire des téléphones bien avec faible marge. Le problème, ces téléphones-là, OnePlus avait fait comme ça en disant, on fait des téléphones bien, on fait une faible marge et le volume compensera en fait le reste. Bon, OnePlus, ils ont réussi à compenser, Xiaomi, on n'en parle même pas. Mais le problème de Vernis, c'est que les volumes n'ont pas compensé. C'est que les gens ont vu un téléphone de merde comme les autres et que, ils ont eu quelques petits bugs, quelques petits couacs et les gens n'y ont pas cru. Et bah du coup, là où les faibles volumes, où les grands volumes devaient compenser les faibles marges, et ben ça a compensé que dalle et leur cash out est disparu et c'était un peu la merde. Donc il y a de fortes chances que la marque disparaisse et qu'elle vienne sous un autre nom ou qu'ils continuent à faire de l'OM comme ils faisaient très bien avant. Voilà. Pourquoi tu as moins d'exclus qu'avant? Parce qu'il y a moins d'exclus qu'avant. Alors après, je sais pas si on parle de. J'ai vu Monsieur Re. Il a testé le Mi Mix 3 parce que je sais pas comment il fait lui, mais enfin, il fait plus de vues que d'abonnés, donc c'est quand même beau. Mais parce qu'il n'y a pas trop de trucs intéressants non plus. Après, on peut pas avoir les trucs au dernier moment. Je suis pas en Chine, je suis en Thaïlande. Après, on a mis quand même beaucoup moins la pression. Encore une fois, je vis pas de ça. Je vis de tout, mais pas de ça. Donc après, se battre pour absolument avoir l'exclu, acheter le téléphone, l'avoir en exclusivité, machin et tout, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. C'est pas rentable pour moi que je suis en Thaïlande. On l'a vu, hein, de toute façon, même quand on travaille avec certaines marques, le fait que tu sois pas en France, c'est un frein. Pour te faire prêter des téléphones, pour faire des deals avec des mecs qui veulent vendre des téléphones, avec. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, même Jojol, il fait du copie de iPhone maintenant, tu vois. Des fois, tellement qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois, en truc. Donc après, qu'on n'ait pas les exclus, c'est pas très très grave. Parce qu'on a mis un peu les holà. Je suis beaucoup moins sur le chien comme ça, à vouloir un peu. Aujourd'hui, le bon créneau, c'est de faire de la review, du déballage et de faire une quotidienne le soir. Après, moi, tant que je fais ma paye avec ça, après le reste, on s'en fout. Hein. Qu'on n'ait pas le dernier truc au dernier moment avant qu'il arrive, c'est pas grave. Genre, on a quand même le Humidigi A3. Et pour samedi, hein. Et on a eu le S60, on a eu le S70 de chez Dougie, le S. Que des merdes. Que bah, c'est pas aussi un fashion, tu vois ce que je veux dire. Mais on a quand même des trucs avant les autres. On a le AGM X3, que je crois que même chez AGM ils l'ont pas. Que du coup, voilà, on a des trucs, hein, mais on peut pas tout avoir. Il y a des marques avec lesquelles je suis pas en deal, on peut pas tout avoir sur tout. On peut pas tout savoir sur tout, on peut pas faire semblant non plus. Donc c'est pas super facile. Et bien écoute, mon petit Gérard, ça gaze. Écoute, on a bien couru lundi-mardi, ce qui fait que mercredi, pas couru. Aujourd'hui, t'es un peu cramé encore, hein, tu vois. J'ai encore eu les pattes un peu lourdes, hein, j'aurais dû plutôt marcher pour le début. Avec 150 € tu achèteras comme tablette 10 pouces. De dernièrement ce que j'ai testé avec 150 € une Shui H9, il y a une R qui tourne dans ces prix-là, il y a une H9 dans ces prix-là que tu pourras avoir, donc je prendrai une Shui, c'est un bon petit modèle et tout. Voilà, c'est bon prix, la qualité est pas trop mal, la tablette est pas incroyable mais elles sont assez spéquées, c'est pas mal. Bonsoir à Pascal, bonsoir à Nicolas, bonsoir à L435. Attends, PLX17. Alors attends, apparemment, on a visionné toutes les publicités disponibles. Il y a eu type, c'est ce que me dit la. Ah bah oui, il y a un nombre limité par jour. Essaye en mode privé quand même, au cas où, parce que voilà. Ma femme m'interdit d'aller sur AliExpress après le 11-11. Elle a raison, parce que là, bon, le 11-11, après moi je dis que ça a pas bien marché, mais ça a pas bien marché en France. Parce qu'AliExpress, ils vendent quand même sur la planète. Donc, quand ils font leur chiffre d'affaires sur la Chine, c'est Alibaba, AliExpress, hein, et Taobao. Taobao en Chine, ça cartonne vraiment. Mais en France, c'était pas foufou, hein. Nous, on le voit au niveau de l'affiliation, c'était pas mal, tu vois. C'était bien, on a fait un petit billet. Mais pas incroyable, tu vois, par rapport à ce qu'on aurait espéré. Pareil, même on voit, on a des codes promo là, mais les téléphones partent pas bien. Hein. C'est beaucoup des petits trucs, les téléphones, vous préférez quand même. Faire confiance à des boutiques en ligne qui ont un peu plus pignon sur rue, parce qu'au moins pour la garantie, truc comme ça. Donc, après, là, il y a le Black Friday qui arrive. Ils vont nous faire le 12-12 aussi, apparemment. C'est officiel. Et après, bah, après, t'as Noël, et après, t'es foutu. Après, t'as les soldes. Tu t'en remettras jamais. Ta femme te pourra pas te surveiller tout le temps. Donc, du coup, elle est foutue. Pour résumer, Utip, 3 vidéos par navigateur différent, utilisées ainsi que chaque nouvel onglet ouvert en privé. Ah, tu vois, je savais bien, hein. Tu vois, j'avais presque senti un peu l'astuce. Merci à Judas, qui voyez, qu'on te fait, malgré ce que son prénom veuille dire, il est là, il est en mode partage. Oh la petite fouine. Bon, Alain, comptes-tu faire un test du Ulefone Armor 3? Parce que les voir en photo c'est bien, mais les voir en vidéo. Alors, Ulefone, on est en deal avec eux. Il faudrait peut-être que je lui demande quand c'est qu'il va arriver. J'ai vu qu'il commençait à rentrer dans les boutiques. Ulefone
C'est quoi? Tu m'as dit Power 3? Alors, Armor 3. Je demanderai à Ulefone demain si elle a l'intention de me l'envoyer. Ou alors elle me dit, bah, on l'attend, généralement dès qu'ils l'ont, ils me l'envoient directement. Ulefone ou Kitel maintenant, je veux dire, ils m'envoient, ils sont même plus chiés. Utip et pouce bleu fait. Merci à tous ceux. Je te rappelle, si tu likes la quotidienne, tu peux lâcher un petit like, bien évidemment, ça te coûte rien. Ça permet de dire merci pour le travail, merci pour ce temps de détente, merci pour ces informations, merci de cramer toutes tes soirées pour faire un petit live. Parce que certes tu kiffes, mais nous kiffons aussi. Donc si vous kiffez, il kiffe, je kiffe, tu kiffes, il kiffe, nous kiffons, vous kiffez, il kiffère. Le facochère. Bonsoir à coucou de Maline, bonsoir à Juan. Salut Greg, vas-tu tester la tour PC Apex C1 finalement avec une vraie config? Est-ce que ça peut se vendre sur la tombola? Alors, on n'a pas eu de nouvelles, je lui ai envoyé la vidéo parce qu'il me dit oui. Alors, il voulait absolument. Alors, à savoir que la tour vient quand même de Thaïlande, hein. Ils ont un dépôt en Thaïlande, elle vient de Bangkok. Il m'a dit oui, on veut nana, mais ils étaient prêts à payer, tu vois. Il me dit bon, on fait un truc gratuit pour voir un peu et après on fait en payant. Donc je me dis pas en payant, je vais pas leur faire juste un plan, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on ferait un montage, une machine dedans et tout, un truc sympa, tu vois, avec leur argent. Mais on n'a pas eu de nouvelles là, j'ai pas eu de nouvelles, pas eu de réponse, pas eu de... Peut-être ils attendent de voir un peu les retours qu'ils ont par rapport au déballage. Bon bah les vues ont pas été folles, hein, apparemment, par rapport à d'autres produits. Après je sais pas s'ils vont en vendre vraiment, moi j'ai vu sur d'autres reviewers que certains disent qu'ils étaient bien placés, d'autres qui me disent « Ah mais non, tu sais, on a toujours des mecs qui savent plus tout ce que tout le monde. Ouais, mais moi. Ben non, la tour elle est quand même pas mal. Elle est bien placée et tout. Donc, je sais pas. On va attendre. S'ils reviennent, je te dirai. La review est prévue. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Et après, dans la tombola, est-ce que ça se vend la vraie config? Est-ce que ça peut se vendre dans la tombola? Est-ce que ça peut dans la tombola? Oui. La tour, oui. La tour montée, non. La tour, oui. Mais par contre, en frais de port, on va raquer pour envoyer en France là. Là, c'est un coup de 100 euros avec la poste Thaï hein, pour envoyer un machin comme ça. Donc non. Si t'es en Thaïlande, oui. On te l'envoie par Kerry Express. Mais si t'es pas en Thaïlande, c'est impossible. Alors, je salue un petit bout de live. Je ferai une petite visite à Hélène. Eh ben écoute, entre filles, soirée pyjama ce soir. Coucou de Maline et Hélène. Voilà, soirée pyjama. Stop. Olivier, en direct de mon Poco pour ne pas perdre une miette. Un petit Poco. Enfin, j'ai vu qu'ils avaient fait un nouveau logo là pour la nouvelle série Poco et tout. Il faudra attendre un petit peu. Mais ça présage que du bon. Ne pas se loguer dans Utip après les trois premières vidéos, sinon ça bloque. Ouais, c'est vrai. Peut-être. À quand un drone Xiaomi? Alors, les drones sont interdits en Thaïlande hein, à l'import. Parce qu'il faut avoir une licence, machin et tout, donc ça m'étonnerait, on pourra pas se faire envoyer, donc c'est sûr, et on va pas en acheter nous un en Thaïlande pour faire un drone. Vu que le DJI Mavic, il est en haut, je l'ai toujours pas déballé, tu vois, il est toujours dans le cellophane et tout, ça fait pas sérieux, tu vois, donc voilà, voilà, tu vois, c'est comme les machines à imprimer en 3D, tu vois, il y a des trucs, je sais pas, j'ai pas envie, tu vois, après, ça s'invente pas. Salut Eric, salut à Tony. From Kaolac. Kaolac, le royaume du chocolat, bien évidemment. Alors, Guino, salut. Avant, j'étais Ulefone. J'ai laissé tomber. Problème récurrent de Bluetooth, pas de mise à jour. Aujourd'hui, un Poco. Bah, ouais, là, tu passes quand même un peu du coq à l'âne. De coq à l'âne. Non, bah, non, bien que le Poco ne soit pas un âne, mais. Le Poco, c'est quand même un très très bon téléphone signé Xiaomi. Bon, après, tout le monde est assez unanime pour dire que c'est quand même une bombasse. Bonsoir à André, qui nous presque à la fin quand même. Hein. Mars du 43, merci pour ta réponse. Il y a de plus en plus de monde également sur le créneau. J'ai oublié ta question là. Du coup, j'ai perdu le fil du chat. Bonsoir à Jean-Marie, qui vient nous voir un petit peu aussi comme ça directement à la fin, vu qu'il est déjà 21h30. Je vous laisse encore 2-3 petites minutes s'il y a des questions à poser. Donc du coup, demain, les souris machin, après-demain, j'ai encore de la caméra espion, j'ai une petite box Android, j'ai une deuxième partie de moto, là, on m'a envoyé en orange, avec, donc ça, j'en ai parlé, j'ai des écouteurs, une box, machin, putain, j'ai encore pas mal de trucs, j'ai des trucs qui doivent arriver, là, pas mal, donc on verra, il y en aura au moins une vidéo par jour, je vous rappelle, samedi,
Ceux qui sont sur Tipeee et inscrits sur YouTube, vous recevrez le lien du live. Alors, j'ai essayé de faire le live hier avec Tipeee, ça fonctionne pas. Hein. Le live démarre. En fait, quand je fais l'enregistrement, ça veut envoyer en live sur Tipeee, ça rame. Je pense qu'ils doivent être dépassés par la bande passante, les cocos là-bas. Ils ont pas bien compris que tout ça, ça allait leur bouffer une bande passante de dingue. Et donc, du coup, ça ne fonctionne plus. Au moins, plus chez moi. Peut-être que mecs sont à Paris, autour de chez eux, ça va. Mais moi, depuis la Thaïlande, ça ne veut pas fonctionner. Donc c'est un peu dommage, donc on fera peut-être pas via Tipeee, on fera comme d'habitude, hein. Je mettrai une vidéo en non répertorié sur YouTube. Je vous enverrai le lien sur Tipeee, au Geek Plus et au Utipeur, parce que je peux envoyer sur Utip, il y a bien marqué, vous pouvez vous inscrire et me suivre. Et dans ce cas, je peux vous envoyer un petit message personnalisé samedi pour faire le petit live, voilà. Donc ainsi se termine cette accrotidienne du jeudi, cette dernière accrotidienne de la semaine. Oh, mais heureusement, on se voit demain. Ouais, mais on en différé. Oh, mais on se verra samedi. Ouais, et dimanche. Ouais, et relundi, et mardi, et mercredi, et un dimanche matin, et avec mon copain. Voilà, donc voilà. Donc voilà, je vous remercie tous d'être passés, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi, j'espère que vous mettrez un petit like pour cette accrotidienne parce que ça fait toujours plaisir, ou que vous irez regarder une petite vidéo de Utip. Alors attends, j'enlève mes lunettes, on était à combien? On était à 152,92, et là on est à 153,42, pas mal, il y a du Utip, il y a du 50 centimes, il y a eu 10 vidéos qui sont tombées, ça fait extrêmement plaisir, et encore une fois, c'est vous qui faites tourner l'aventure, c'est vous qui faites que l'aventure va continuer, va prospérer, c'est vous qui allez m'aider à construire cette pyramide, moi je suis le pharaon qui gère cette pyramide, et vous, vous êtes mes petits constructeurs qui m'aident à la construire de pièce en pièce, et une fois que cette pyramide sera énorme, et ben vous pourrez vous dire que ce rendez-vous il est incroyable, mais que c'est surtout grâce à vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je donne rendez-vous demain en replay, demain en review, et après-demain en review, en live et en GLG review. Je vous rappelle, c'est trois chaînes YouTube, vous trouvez le lien en bas, le lien Utip, le lien des lunettes, on verra s'il y en a qui craquent pour mes lunettes ou pas. Ou pas. Paix et prospérité, à demain, bye bye. Paix et prospérité, à demain, bye bye, et que Dieu vous bénisse, forcément, il ne faut pas oublier ça. Yeah.